Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le magazine dans lequel j'ai été publiée, je suis parue, où vous retrouverez ces deux créations-ci, celle-ci juste en inspiration et celle-ci en tutoriel. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous reconnaîtrez l'album de grossesse. Et du coup, j'ai été republiée, parce que j'avais déjà été publiée dans ce magazine-là et ça s'était plus ou moins mal passé. Mais du coup, j'ai été recontactée par une autre personne. Cette fois-ci, on a écrit l'article ensemble, j'ai refait des photos exprès pour l'article, on a corrigé les textes ensemble, etc. Du coup, je suis hyper contente parce que dans ce magazine, je suis aux côtés de Alice Crap et aussi il y a d'autres personnes comme Chouette Fantasy ou AMB Créa. Donc, je vous invite à acheter ce magazine que moi j'ai trouvé du coup. Dans un espace culturel Leclerc. Je sais qu'Alice l'a trouvé dans un Auchan. Et en général, ils sortent dans les relais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le chercher. Je vais vous montrer rapidement juste la page où je suis avec Alice. Hop, donc ici, par exemple, j'ai ici fait une petite carte d'inspiration. Hop, qui est ici. Voilà. Donc je vous invite à aller voir. Et ici on retrouve le magnifique mini-album d'Alison. Et également du coup, hop hop hop. Donc au milieu vous avez des papiers à imprimer. Ils sont très mignons. Moi il y en a un que j'aime beaucoup. C'est celui-là. Franchement je le trouve trop mignon. Hop, celui-là aussi il est choupi. Et ça après c'est naturel. Donc c'est toujours intéressant pour Halloween, etc. Et donc je suis également... Voilà, ici, hop, cet album, laisse-moi t'atteindre, que voici. Donc, il sort un peu moins bien en photo qu'en vrai, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est bien lui, et vous avez le tuto, du coup, complet, sur plusieurs pages, et des photos à la fin. Voilà, et vous avez aussi des petits trucs à découper ici, et ici. Ils sont vraiment très 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 mignons. Du coup, ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous voulez voir bah du coup le voir en imprimé, un tuto écrit, voici, il est disponible dans ce magazine. Et aussi du coup je remercie beaucoup Suzanne d'avoir écrit l'article avec moi et de m'avoir fait confiance. Et du coup nous avons aussi un projet de sortir le traîneau du Père Noël dans un autre magazine qui est aussi écrit par la même édition que Carte et Scrap Facile, donc c'est Album et Tuto Scrap je crois, qui sortira mi-octobre, il me semble, et dans lequel vous retrouverez le patron à imprimer. Donc vous voyez dans la partie technique au milieu, dans les papiers ici, vous retrouverez le patron taille réelle du traîneau à imprimer. Du coup, pas besoin de le faire vous-même et vous êtes sûr que la taille, elle est bonne. C'est super. Du coup, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!